Singa yole le, 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 singa yole le. Saint-Esprit, nous te prions, descends et agis. Descends et fais ce que tu veux faire. Descends et opère les miracles. Descends et opère les miracles. Fais comme on te semble. Descends, Saint-Esprit, descends, descends, descends. Descends et opère les miracles au milieu de nous encore cette nuit. Alléluia.
Merci Saint-Esprit, descends et agis. Nous avons soif et faim de toi ce soir. Merci Saint-Esprit pour la vie de Dieu. Opère le miracle au milieu de nous, Saint-Esprit. Merci pour la puissance et l'atmosphère de la délivrance. Nous te supplions, toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, nous avons soif et faim de toi. Ce soir encore, répands ta grâce. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Descends, cher Saint-Esprit, descends au milieu de nous. Nous t'invitons, Saint-Esprit, répands cette atmosphère de guérison et de délivrance. Saint-Esprit, nous te prions, Saint-Esprit, descends et répands ton atmosphère de délivrance au milieu de nous ce soir. Viens, toi, l'Esprit, quatre vents, l'Esprit du Nord, l'Esprit du Sud, l'Esprit de l'Est et de l'Ouest, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, souffle les quatre vents. Nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Élève la voix, élève les bonnes voix, n'est-ce pas? Demandons que le Saint-Esprit descende et agisse au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Agis au milieu de nous ce soir. Toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de glorifier ton nom au milieu de nous. Saint-Esprit, merci de descendre au milieu de nous. Répands ta grâce, Saint-Esprit. Viens nous inonder, Saint-Esprit. Inonde-nous de ta présence. Nous nous attendons à toi, toi, l'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange d'adoration. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Merci. Merci de répandre ta grâce au milieu de nous, l'Esprit de victoire. Saint-Esprit, nous attendons à toi. Saint-Esprit, nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Descends, c'est ton temps, cher Saint-Esprit. Nous te laissons le temps. Nous te laissons le temps, cher Saint-Esprit. Nous te laissons le temps, cher Saint-Esprit. Nous te laissons le temps, cher Saint-Esprit. C'est ton temps, Saint-Esprit. Descends et agis. C'est ton temps, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. C'est ton temps. Merci d'agir au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Merci, Saint-Esprit, nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Bénis ce temps, cher Saint-Esprit, inonde de nos vies. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans toute la vérité. Conduis-nous comme bon te semble. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te glorifions, cher Saint-Esprit. Merci de nous inonder de ta présence au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, soyez bénis. N'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, nous voulons passer le temps encore dans la prière. N'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, nous voulons passer dans la prière. Mais particulièrement ce soir, bienvenue dans le Seigneur, nous voulons encore une fois de plus prier. Prier, bienvenue dans le Seigneur. Ce moment ici, c'est pour
Je vous ai dit, la semaine, commençons cette série de prières un peu pour détecter la sorcellerie et briser cette puissance de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, la briser, c'est d'abord connaître qui est l'ennemi. Nous ne pouvons pas combattre l'ennemi que nous ne connaissons pas, bien aimé dans le Seigneur. Très important que nous connaissions l'ennemi. De toutes les façons, que vous le vouliez ou pas, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes engagés dans une bataille. Nous sommes engagés dans une, en tant que chrétiens, qu'on soit conscient, qu'on ne soit pas conscient, bien aimé dans le Seigneur. Dès lors que nous devenons chrétiens, la chose la plus importante, nous devons prendre conscience que nous sommes engagés dans une bataille. Que Dieu nous a enrôlés dans son royaume. Et en tant que fils du royaume, nous sommes engagés dans une bataille. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il dit en tant que fils, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont d'en bas. Pourquoi bien dans le ciel? Parce que le royaume d'en bas n'est pas notre royaume, c'est le royaume du diable. Et donc, nous devons vivre, bien-aimé dans l'océan, comme les fils du royaume. Le royaume céleste, bien sûr. C'est pourquoi l'ennemi veut maintenir les gens dans la servitude. L'ennemi veut garder les gens, bien-aimé dans le Seigneur, sous ses liens, pour que les gens ne puissent pas vivre librement en tant que des citoyens célestes. Et donc, il faut détecter les risques du diable. Si on ne détecte pas les risques du diable, il va nous utiliser comme des marionnettes. C'est-à-dire, Satan va prendre, la plupart des gens, mais sont utilisés comme des marionnettes. Satan le tire avec des ficelles. Ils ne comprennent pas les faits et gestes qu'ils sont en train de faire. Ils sont commandés quelque part. Au fait, c'est comme Satan, mais dès lors que Satan fait de quelqu'un sa victime, il prend, c'est comme avec une télécommande, et quelqu'un en train de jouer les jeux vidéo. Donc, tout ce qu'on est en train de voir sur l'écran, bien aimé dans le Seigneur, le mouvement des images, n'est-ce pas, bien aimé, c'est téléguidé par celui qui a, n'est-ce pas, la manette en main. Donc, nous devenons, bien aimé, les marionnettes du diable. Il nous utilise pour détruire. Il nous utilise pour tuer. Il nous utilise pour voler. On est des marionnettes. Vous n'avez peut-être pas compris. Nous ne voulons pas être des marionnettes du diable. Regardez, si vous lisez le livre de Job, vous allez voir que Job cherchait à détruire. Non, non. Satan cherchait à détruire Job depuis longtemps, il n'arrivait pas. Et Satan arrive à une conclusion. Que là, la manière dont il n'arrive pas à percer pour entrer, pour détruire Job, non seulement Job, c'est bien, et tous ceux qui travaillaient chez Job, c'est parce que Dieu avait mis un rempart ou son rempart autour de Job, de ses biens et de tout ce qui était dans la maison de Job, au service de Job. Ça t'arrive à c'est une conclusion extraordinaire, mais qui doit nous ouvrir l'intelligence. Cette conclusion du diable, elle est extraordinaire. Ça veut dire que Satan ne peut pas toucher à tout ce qui est à nous sans aucune autorisation de la part de Dieu. C'est une conclusion extraordinaire. Si vous lisez, bien aimé, dans Job 1, Job 1, regardez la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit. Job est en train, nous lisons dans le livre de Job quelque chose qui nous interpelle, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment très interpellant. Et ça nous donne de comprendre la réalité du monde spirituel. Verset 8. Verset d'abord, c'est l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. De parcourir la terre et de m'y promener. La Bible dit, bien aimé, l'apôtre Paul a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Il dit, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est lui le patron de la terre. Hein? C'est lui le patron de la terre, bien aimé dans le Seigneur. De parcourir la terre et de m'y promener. Vous vous imaginez, bien aimé dans le Seigneur? Donc Satan, il contrôle, il surveille la terre. Les gens qui se promènent la nuit pour faire la débauche, qui se promènent la nuit pour aller tuer, la nuit pour aller voler, qui se promènent la nuit, c'est pas bien aimé dans le Seigneur, pour aller commettre tout, des tas de coups et consorts.
ce sont des marionnettes du diable. Alors, regardez bien. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, c'est le tournoi du mal. Donc Satan, pendant qu'il parcourt la terre, il regarde les gens bien aimés dans le Seigneur. Il regarde qui est à lui, qui n'est pas à lui. Parce que Dieu lui a dit sur la terre là, il y a mes gens. Un exemple, c'est que mon serviteur Job est là sur terre. Satan a dit, oui, mais c'est vrai, il est là sur terre, mais bon, regardez bien. Moi, je connais tout ce que c'est tout. Satan dit, mais je connais tout ce que c'est tout sur terre. Hein. Je le surveille. Vous savez ce que Satan dit à Dieu? Je connais ceux qui se trouvent sur terre, je les surveille. Pourquoi? Mais si nous marchons dans la lumière, c'est que la Bible nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça veut dire quoi? Sur la terre, nous devons être dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, donc sur terre, nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Sur terre, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons être les fils de lumière et non les fils de ténèbres. Nous devons marcher dans la vérité. C'est pourquoi, en lisant encore la parole quelque part, il nous est dit que nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc nous sommes des filles de lumière. Et Satan continue, bien aimé, dans Job 1, verset 10. Regardez. Donc, Dieu pose la question, il dit, eh non, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Donc Satan sait pourquoi les gens s'attachent à Dieu. C'est toujours pour un intérêt quelconque. Mais Satan connaît la technique. Il sait quand l'homme, on lui arrache les biens matériels. On lui arrache la gloire, on lui arrache la notoriété, on lui arrache les enfants, on lui arrache la femme, on lui arrache le mari, on lui arrache les intérêts, on lui arrache le travail. Il va abandonner Dieu. Mais Satan connaît, il connaît l'homme. Satan connaît l'homme, bien aimé dans le Seigneur. Et il continue, ne l'as-tu pas protégé? Il dit, voilà, tu l'as protégé. Comment Satan sait que Dieu a protégé Job? Tu ne peux savoir qu'une maison est protégée si, bien aimé, tu es au courant de cela. Ou si tu as vu la protection. Ou si tu as essayé d'entrer et tu as constaté que c'est protégé, tu n'y es pas arrivé. Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Vous voyez, n'est-ce pas? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Même ses serviteurs qui étaient dans sa maison, ils étaient protégés. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous aux gens qui sont attachés à Dieu, aux gens, bien-aimés, qui sont connectés à Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, en Afrique, hein, oh, moi, j'ai grandi. Je suis né en Afrique, grandi en Afrique. Je veux dire, c'est à un âge avancé. Dans mon village, quand il pleuvait, la maman me disait tout ceci. À l'école, quand il pleuvait, elle me dit, prends ton cartable, mets ça sous la chemise, couvre avec tes mains, marche de manière à ce que la pluie ne puisse pas mouiller tes objets classiques. Que tu n'entres nulle part. Jusqu'à ce que tu vas arriver à la maison. Ou soit, c'est dans un lieu public, connu public, là où il y a beaucoup de gens, que tu peux t'abriter. Un abribus peut-être, oui. Mais dans une maison, jamais. Tu n'entres jamais dans une maison. À moins qu'une maison, une famille que je connais, que les parents connaissent là, ils disent que non, là tu peux entrer. Mais comme ça là, non. Pourquoi? Ils disent que parce que tu risques d'être victime d'une foudre. Qui ne t'a pas été adressé, qui a été adressé à quelqu'un, à un voleur quelque part, alors on a invoqué la foudre, et bien tu tombes victime. C'est pourquoi il faut s'attacher, bien aimé, aux bonnes personnes, pour que tu ne sois pas victime, bien aimé, n'est-ce pas, des dégâts des hommes méchants et pervers. Regardez.
tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de sa main et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, vois tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan s'est retiré de la face de l'Éternel. Regardez maintenant pourquoi je vous dis, les hommes sont des marionnettes. Un jour, les fils et les filles de Job mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager, le bœuf labouré et les ânes paissés à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Tout le temps que Job a vécu avec ses serviteurs, il n'avait jamais connu quelque chose de pareil. Mais Satan, le diable, utilise les Sabéens comme des marionnettes. Ils sont allés, ils ont volé les biens de Job, ils ont tué tous les serviteurs. Bienvenue le Seigneur. Vous voyez comment les Sabéens étaient des marionnettes, utilisées par Satan, le diable. Mais ne sois pas une marionnette du diable. Ne sois pas un aéroport par lequel Satan descend pour commettre ses dégâts. Ou les sorciers descendent pour commettre les dégâts. Ne sois pas une marionnette, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois connaître les ruses et les séductions du diable pour que tu ne sois pas sa marionnette. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons prier ce soir pour dire, Seigneur, nous brisons, n'est-ce pas, la ruse et la séduction. Tu vas te lever contre la ruse et la séduction. Refuse, bien-aimé, toute forme de ruse dans ta vie. La ruse est du diable. Parce que Satan a utilisé les serpents. Parce que les serpents étaient un animal rusé. Satan lui-même étant le maître de la ruse. Le père de la ruse. Eh bien, il a cherché quelqu'un qui a un penchant naturel. La ruse, il est entré par là, bien-aimé, il a utilisé cette personne. Ne sois pas rusé dans la vie. Satan risque d'entrer par toi pour t'utiliser et nuire aux vies des gens. Ouais, n'est-ce pas? Il dit, il a utilisé des Sabéens. Et puis, il a utilisé le feu qui est tombé du ciel. Ce n'était pas fini. Il a utilisé encore des Chaldéens. Regardez le verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vient dit, des Chaldéens formés en trois bandes. Les Chaldéens, ce sont des gens qu'on utilisait, n'est-ce pas, dans les cours royales. Des gens qui connaissaient l'astrologie, la magie. Eh bien, ces gens ont été utilisés, n'est-ce pas? Les Chaldéens. Bienvenue dans le Seigneur, les Chaldéens. Vous voulez connaître, bienvenue dans le Seigneur? Les Chaldéens ont été utilisés. Les gens, bienvenue dans le Seigneur, qui utilisaient, qui pratiquaient la magie, qu'on utilisait, bienvenue dans le Seigneur, dans le cours royal, qu'on utilisait, bienvenue dans le Seigneur, comme des. Qui étaient astrologues. Regardez. Hein? Je vais vous montrer. C'était les gens de Babylone. Hein? Jérémie. Regardez les Chaldéens, bien-aimés dans le Seigneur. Des sorciers. D'abord Jérémie 2. Jérémie 2. Le roi fit appeler. Donc la seconde année du règne, Jérémie 2, le verset 1 à 2. La seconde année du règne de Nabucodonosor. Nabucodonosor eut le songe, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens pour qu'ils lui disent les songes. Ils vinrent se présenter devant le roi. Le roi dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ces songes. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous donnerons l'explication. C'est les gens qui avaient bien aimé l'art divinatoire. Vous voyez, n'est-ce pas? Satan les a utilisés pour aller détruire la vie des gens. Détruire comment? En détruisant ses biens. Bien-aimé, Satan utilise les gens qui ont la disposition de la méchanceté, la disposition de les penchants, n'est-ce pas, naturels, la ruse, la séduction. Satan utilise ces gens-là pour aller détruire les enfants de Dieu. Il vient avec le pouvoir de la séduction. Voilà pourquoi la plupart des serviteurs de Dieu tombent, bien-aimé, sous le coup de charme des femmes, n'est-ce pas, des filles qu'on envoie dans les églises. Pour séduire les pasteurs, pour séduire les enfants de Dieu.
Et beaucoup d'hommes, bien-aimés dans le Seigneur, tombent aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de femmes tombent aujourd'hui dans l'église. Parce que Satan connaît, il utilise les penchants naturels. Quand les penchants, bien-aimés, les gens sont un penchant naturel du sexe, Satan va utiliser ces penchants pour les détruire. Ils vont tomber. Quelqu'un disait, ouais, mais vous voyez, c'est un pasteur qui m'a raconté l'autre fois. Il dit, mais pasteur, cette sœur-là, elle a eu tellement de problèmes. Je l'ai conseillé, n'est-ce pas? La vie-là, ce n'est pas bon. Elle dit, oh, pasteur, c'est compliqué. Tu vois, on est encore jeune. On a encore du sang chaud. Hein? Et Satan utilise cette femme pour des briseuses de couples. Mais quand elle commence à prier ici, oh! Seigneur, 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 quand elle ouvre la bouche pour prier, mais quand elle te dit qu'elle a jeûné, hein, le pasteur, il m'a dit, pasteur, quand elle jeûne, hein, elle dit, pasteur, j'ai fait 3 jours dans un kila, elle jeûne, je suis en train de jeûner, mais en même temps, elle est briseuse des couples dans l'église, elle sort avec les hommes dans l'église. Alors le pasteur me disait, mais pasteur, j'ai conseillé à la sœur, j'ai dit, ma sœur, ce n'est pas une bonne vie ça. La réponse, pasteur, on est encore jeune. Alors une telle personne vient dans le Seigneur. Vous allez faire quoi? Que Dieu fasse grâce. Esprit de séduction. Esprit de Jézabel. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. De champ que l'ennemi, que Dieu, l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voyez là où il amène l'homme bien-aimé dans le Seigneur. La ruse. Je vous ai parlé, n'est-ce pas? L'une des armes que l'ennemi utilise, bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, c'est la ruse. La ruse et la séduction. Il utilise la ruse pour séduire. C'est une manière, quelqu'un vient avec quelque chose dont il sait que c'est comme un bonbon qui est enrobé. À l'intérieur, bien dans le Seigneur, il y a une liqueur forte. Alors toi, tu n'aimes pas, même une seule goutte de liqueur, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, c'est fini. Tu tombes malade. Mais l'ennemi vient avec un chocolat, un beau chocolat, d'abord bien emballé. C'est bien écrit là, tu chocolat. Bien emballé. Là-dedans, tu regardes, tu fais chocolat. C'est quand tu commences, d'abord ça te frappe aux yeux. L'emballage te frappe aux yeux. C'est qu'on écrit dessus, chocolat, ça te frappe aux yeux. Tu ouvres l'emballage, waouh, beau chocolat. Dès que tu commences à manger, dès que tu manges, au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte, à un certain moment, tu entres dans une zone. C'est là que tu trouves, bien dans le Seigneur, qu'il y a une liqueur forte. Pendant tout ce temps, mais tout ce que tu es en train de... Tout l'enrobage, n'est-ce pas, c'était bon, c'est du chocolat. Vraiment du chocolat, c'est bon, ça goûte bon. Et puis à un moment, bien aimé, tu entres dans une zone liqueur forte. D'abord, il y avait le goût du chocolat, chocolat, et puis à un moment, mais jusque-là, tu ne te rends pas compte encore. Mais c'est au fur et à mesure, tu il y a les liqueurs, j'ai comme l'impression, c'est... Il y a les liqueurs ou quoi? C'est pas du chocolat. Ouais, bien aimé, c'est aller au milieu. C'est ce que le diable utilise, bien-aimé. Et ce monde, bien-aimé, est sous le contrôle du diable. Nous sommes des dieux que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc l'ennemi, bien-aimé, c'est un menteur. Quand il te montre quelque chose, il te le donne, bien-aimé. Il te dit que ça goûte. Oui, ça goûte, mais quelque part, il y a un piège. C'est un menteur. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement.
Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. C'est pourquoi quand il vient vers l'homme bien-aimé dans le Seigneur, il ne vient pas dans la vérité, non, bien-aimé dans le Seigneur. Satan ne vient jamais dans la vérité. Il vient toujours avec la ruse. Regardez ce que la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, Ève a été séduite par la ruse. La puissance de la séduction. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se retournent dans les regards de Christ. Comment a-t-il fait venir dans le Seigneur? Le déguisement. Le verset 14, toujours dans 2 Corinthiens 11. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont bien habillés, bien parfumés, gentils, mais ce sont des sorciers. Ils sont rusés, ils ont le pouvoir de la séduction. Et nous vivons dans ce monde avec eux, bien-aimés dans le Seigneur. À l'époque, on voyait les sorciers, c'était des gens qui s'habillaient bizarrement. Non, maintenant là, ils sont bien habillés, mais le soir, la nuit, bien-aimés, ils volent. Ils volent, je vous assure. Et ne nous laissons pas séduire par le langage des gens. Ils parlent bien, ils réfléchissent bien. Parfois même, ils viennent dans l'église. Ils prennent même la Sainte Cène. Ne vous laissez pas séduire. Ce que les gens, comme aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un avec sa Bible et sous les aisselles, ah ouais, ouais, oh, il prie, hein, oh, il parle la langue. Faux! Faites attention! C'est le temps de la fin. Beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup sont séduits par ça. Ne nous laissons pas séduire, bien aimé dans le Seigneur. La ruse. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle, bien aimé dans le Seigneur, à la sagesse, sachant que l'ennemi vient avec ruse, mais il n'a qu'un seul objectif. Dérober, égorger, détruire. C'est un voleur, c'est un destructeur, c'est un tueur. Il n'avait qu'avec un seul objectif, la ruse. Bien aimé, nous devons comprendre que notre combat n'est pas charnel. Il vient, bien aimé, dans le Seigneur, de manière intelligente, de manière réfléchie. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'illumination, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés, ouvrons nos yeux. Je vais vous montrer un texte. Dans Actes des Apôtres 13. Prendra le temps de prier, bien aimé dans le Seigneur. Même une vingtaine de minutes, c'est le plus important. L'enseignement est très important. Ça nous ouvre l'intelligence. Et nous prions, bien aimé dans le Seigneur, sachant pourquoi nous prions. Actes des Apôtres 13. Regardez. Quelqu'un est venu, n'est-ce pas, venu pour séduire? Regardez. Regarde la ruse. Actes des Apôtres, verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole. Ça, c'est l'apôtre Paul et Barnabas. Ils arrivèrent, n'est-ce pas, à Salamine, ils annoncèrent la parole dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île de Paphos, jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barabbas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Écoutez très bien, suivez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le proconsul, il les a appelés, il a manifesté le désir d'entendre la parole.
Mais Élimas les magiciens, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein, le verset 10, je vais le projeter. Homme, il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voilà, bien aimé, comment Satan, bien aimé dans le Seigneur, nous détourne de la voie. C'est ça l'objectif du diable, c'est de nous détourner de la voie de Dieu. Voilà cet homme ici, dans la magie. Les magiciens ici, bien aimé dans le Seigneur. Élimas. Le préconsul avait manifesté, bien aimé dans le Seigneur, l'envie, le désir d'écouter la parole. Mais lui vient avec les actes de magie. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Les gens se laissent entraîner par les prophéties, les miracles, les ceci, bien aimé. Il y a des actes de magie dans tout cela. Il y a à boire et à manger. Ne dites pas le pasteur, parce qu'il ne fait pas les miracles. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Non. Ce n'est pas ça. La parole. La parole, bien aimé dans le Seigneur. Chacun a reçu son don de la part du Seigneur. Et nous devons être heureux du don que Dieu nous a donné. Et le don que Dieu a donné aux autres, il a donné à certains le don de guérison. Il a donné à certains aux autres le don de miracle. Mais que ça soit authentique. Et le vrai miracle, il doit être attaché à la parole, doit amener les gens, mesdames et messieurs, à être, n'est-ce pas, obéissant à la parole de Dieu, à vivre dans l'humilité. Il cherchait à détourner, mesdames et messieurs, les proconsuls. Qui a manifesté l'envie d'écouter la parole. Et Paul a fixé. Bien-aimés, nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est temps de la fin ici. Soyons remplis du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, pour détecter la séduction et la ruse du diable. Soyons remplis du Saint-Esprit. Écoutez bien. Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixait les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable. Bien-aimé, nous avons beaucoup de fils du diable remplis de ruses et de fraudes qui sillonnent dans les églises aujourd'hui, qui sillonnent à travers les réseaux sociaux. Beaucoup. Et nous le sommes séduits par ces gens-là. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que l'une des tactiques du diable, c'est la séduction. La séduction, bien-aimé dans le Seigneur. Ne le laissons pas se dire. Il est là sur terre. Ne nous laissons pas se dire, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrons les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous laissons pas se dire. C'est pourquoi il a dit, soyez prudents. Matthieu 10, le verset 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Dieu nous appelle à la prudence en ce temps de la fin. Il y a tellement de ruses, parfois tu as du mal à distinguer le vrai du faux. Tu dois être pleinement dans le vrai, rempli du Saint-Esprit, pour arriver à distinguer la ruse du diable ou pour ne pas te laisser influencer par tout ce qui brille. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bien-aimés, ne nous laissons pas séduire. Hein? Vous n'avez pas compris, hein? Apocalypse, vous allez comprendre bien pourquoi Dieu nous demande, n'est-ce pas, d'avoir, de proclamer la victoire de l'œuvre de la croix. Apocalypse 12, le verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui avait tenté, n'est-ce pas, Adam et Ève dans le jardin d'Éden par la ruse. La ruse du serpent. Mais on dit bien, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec. Vous voyez, n'est-ce pas? Lui, il a été précipité, ses anges aussi, les démons. Pour faire quoi? Séduire toute la terre. C'est lui qui séduit toute la terre. Miracle, séduction, n'est-ce pas? L'argent, le pouvoir, la gloire, la notoriété, bienvenue dans le Seigneur, n'est-ce pas? La sexualité. Toutes ces choses de la bénédiction, la séduction du diable. C'est pourquoi, bénédiction au Seigneur, Dieu nous demande de faire très attention.
Ephésiens 4, le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottés et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. La tromperie des hommes. Ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Oh, ceci, oh, là-bas, il faut porter les foulards, tu mets les foulards. Oh, là-bas, il faut enlever les chaussures, tu enlèves les foulards. Oh, là-bas, il faut dormir comme Adam. Il est écrit, n'est-ce pas, Adam et Ève, voilà comment il faut dormir comme Adam. À ce moment-là, tu ne seras pas visité par les démons. J'apprends des histoires parfois. Hein. Quelqu'un de Marie, l'homme qui a dit, pasteur, ben, ma femme ici ne peut pas porter les habits la nuit. Non, 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 c'est comme ça, Adam et pour que les démons ne viennent pas. Mais comment les gens peuvent être aussi idiots jusqu'à ce point, bien-aimés dans le Seigneur? Oh non, non, c'est comme ça, c'est écrit pour que, parce que sinon, avec les habits, les démons vont te voir. Vous vous imaginez, bien-aimés dans le Seigneur? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout les doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. La tromperie, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ne nous laissons pas emporter, bien-aimé, par la tromperie. La séduction, bien-aimé. Soyons prudents. Ouvrons les yeux, bien-aimé dans le Seigneur. Soyons prudents. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je pense que nous allons prier le Seigneur. Peu de temps qui nous reste ici, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas? Vous allez comprendre même. Jésus, il a été livré, bien-aimé dans le Seigneur, par ruse. La ruse, bien-aimé. Faites attention avec les gens rusés. Marc 14, le verset 1. La fête des Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. La ruse. Bien-aimé, c'est pourquoi la ruse, il faut rejeter la ruse. 1 Pierre 2, 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Il faut rejeter la ruse, bien-aimé dans le Seigneur. N'accepte pas la ruse dans ton cœur. Tu risques d'être un aéroport du diable. On va prier, bien-aimé dans le Seigneur. Élevons nos voix, n'est-ce pas, Seigneur notre Dieu. Je viens devant toi, Seigneur, je te remets mon cœur. Seigneur, préserve mon cœur, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Élève la voix, bien-aimé. Ne sois pas victime, bien-aimé. Ne sois pas victime. Tu as besoin du discernement. Et ça, là, il n'y a que la plénitude du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, on a vu des femmes, bien-aimé, des filles belles tomber dans l'église, bien-aimé, sous la ruse, le charme des aventuriers. Manque de discernement. Parfois, il y a des mamans qui ont tellement de l'expérience, ma fille, viens, je vais te parler. Mais ces frères-là, ah oui, maman, c'est mon fiancé. Non, 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 ma fille, tu dois beaucoup prier parce que, ouais, tu sais, cette maman-là n'est pas du tout gentille, franchement, c'est la jalousie. Comme elle, ses filles ne se marient pas, elle est venue me dire que, ouais, voilà, tu vois Pompon là. Il dit, ouais, il faut faire attention. J'ai compris, c'est la jalousie, ma soeur, il faut prier, c'est la jalousie, oh. Hey, elle a connu des coups dans la vie, elle voit, elle a l'expérience. Elle a regardé seulement l'homme, elle a dit non, 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 non. Cette allure-là, l'expérience, elle est passée par là. Et toi, tu crois être maligne parce que tu es emporté par les amours, tu es emporté par la séduction, il s'habille bien, il parle bien, il se parfume bien, il a une belle voiture, il a un bon travail, et il prie bien en français, un séducteur. C'est quelqu'un que Satan utilise pour briser les cœurs, pour détruire des vies. Il s'est déjà marié autant de fois là où il venait. Tu n'as même pas le temps de savoir où il vient, d'où non. Il était dans une église A, il a détruit des cœurs. Il était dans une église B, c'est l'église Z. Partout là où il passe, mais comment les dégâts? Et toi, tu n'as même pas le temps de connaître, il vient d'où, son père c'est qui, il priait où avant. Toi, ça ne t'intéresse pas.
Oh, il m'a dit qu'il priait à l'église à l'époque, il priait à l'église. L'église qui était là, qui avait fait, oui, c'est là qu'il priait à l'époque. Maintenant, depuis un temps, il était à la maison, il priait à la maison. Et puis là, quand on s'est rencontrés, il a dit, ah, je ne trouve pas de problème, je vais maintenant commencer à venir prier chez vous. Je vois que chez vous, vous êtes, votre pasteur est sérieux. Et toi, le pasteur aussi, tu es content. Moi, il me trouve au moins sérieux par rapport aux aventures. C'est faux! C'est un séducteur. Et on en a bien plein qui courent la rue, qui courent les églises, des séducteurs, des briseurs de cœur, des briseurs de famille. Il y a des femmes, des mamans bien-aimées qui sont tristes dans leur cœur d'avoir vu leur fille bien-aimée tomber dans l'église. Des rusés, des séducteurs. Tout comme des filles aussi, hein, des vraies séductrices. Prions seulement parce que quand on commence à parler de ces choses, on va parler fatigué. Prions, bien-aimés. Prions pour nous. Satan n'a pas changé les tactiques. Hein. La ruse et la séduction jusqu'à aujourd'hui dans l'église. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions voir la ruse et la malice dans nos cœurs. La dissimulation. Non. Dieu veut que nous soyons vrais. Sois vrai. C'est pourquoi, bien-aimé, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Beaucoup de couples se détruisent aujourd'hui à cause de la ruse. L'homme est rusé, la femme est séducteur. Il brise les... C'est un briseur de cœur des femmes. Il séduit les femmes et quand les femmes se tournent vers lui, il fait semblant comme s'il n'a rien fait. C'est un allumeur. Il y a des allumeurs, des allumeuses dans les églises. Il sait comment allumer le feu. Oh, bien-aimé. On va prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui peut nous aider. Voilà pourquoi nous avons commencé ce temps de prière, bien-aimé, que le Saint-Esprit descende au milieu de nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Il n'y a que le Saint-Esprit, bien-aimé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Il n'y a que le Saint-Esprit, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, pour dire, Seigneur. Ah oui, si dans nos cœurs, il y a eu la ruse. Il y a eu la séduction, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ah oui. Demandons pardon, bien-aimés, dans le Seigneur. Demandons pardon. Il dit, rejetant toute espèce de malice et de toute ruse. L'envie, fais attention avec les envies. Tu risques d'être la cible du diable. Tu risques d'être l'outil du diable pour détruire des vies. Bien-aimés, faisons très attention. Et c'est comme ça que la sorcellerie utilise beaucoup de vie, détruit beaucoup de vies. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont eu des portes ouvertes. Écoutez bien, le serpent n'a jamais appelé Satan. Mais Satan a vu une disposition, un penchant naturel du cœur. Il est passé par là. Le serpent, ce n'est pas l'animal qui avait appelé Satan, non. Satan a vu le penchant naturel qui était dans le serpent. La ruse, il est allé entrer dans le serpent. Il a utilisé le serpent. Donc, Satan verra le penchant naturel qui est en toi. Il passera par là, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi refuse la ruse et la séduction. C'est parmi les choses que Satan utilise, c'est là pour détruire beaucoup de vies. Élevons nos voix, bien-aimé. Seigneur, s'il te plaît, viens dans mon cœur, Seigneur. Viens dans mon cœur, Seigneur. Commence à élever la voix, bien-aimé. Seigneur, viens dans mon cœur. Commence à élever la voix, bien-aimé. Prions, n'est-ce pas? Le peu de temps qui nous reste, 25 minutes pratiquement, 15-20 minutes, nous allons, bien-aimé, prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Prie d'abord pour lui, Seigneur. Mon cœur est là, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne mon cœur de toute espèce de séduction et de ruse. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, s'il m'est arrivé d'utiliser la ruse et la séduction. Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît, Seigneur. Alléluia. Commence à demander, commence à prier, pas, commence à demander pardon, Seigneur. Commence à demander pardon, Seigneur. Alléluia. Tendre Père, merci, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, éternel et Dieu tout-puissant. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi, Maître du ciel et de la terre, pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur.
Pardonne-moi, grand roi de l'univers. Pardonne-moi, s'il te plaît, éternel et Dieu tout-puissant. Pardonne, mon frère. Pardonne, ma sœur. Pardonne ton peuple. Pardonne ton église. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne voulons pas être victimes de la séduction. Voilà pourquoi nous venons implorer ta miséricorde. S'il nous est arrivé d'utiliser la ruse, alléluia, pour Seigneur notre Dieu, d'utiliser la tromperie, d'utiliser tendre père, la malice, d'utiliser Seigneur notre Dieu, la séduction. Nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde et ton pardon, s'il te plaît, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu de grâce, s'il te plaît, tendre Père. Souviens-toi que nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon. S'il te plaît, éternel et Dieu tout-puissant. Souviens-toi que nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Que le sang versé à Golgotha, le sang versé à la croix, tendre Père. Alléluia. Recouvre nos vies, nos puissants de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas prier, n'est-ce pas? Tu vas demander Saint-Esprit. Alléluia, s'il te plaît, remplis mon cœur de ta présence. Saint-Esprit, remplis, remplis, j'ai soif et faim de toi. S'il te plaît, Saint-Esprit, viens combler mon cœur. Alléluia, Saint-Esprit, consume en moi ce qui n'est pas de toi. Consume la ruse, consume, Saint-Esprit, la séduction. Saint-Esprit, consume dans mon cœur ce qui n'est pas de toi, nos puissants Dieu. Mais demande la plénitude du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit consume en toi ce qui n'est pas de lui. Que le feu du Saint-Esprit consume dans le Seigneur. Alléluia, toutes ces choses. Consume la ruse, la séduction dans ta famille, au nom puissant de Jésus, même dans l'église. Élevons nos voix bénies, proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit, un de trois. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Dieu notre Dieu, nous invoquons ton feu, grand roi de l'univers. Nous invoquons le feu de vos rangs, le feu du Saint-Esprit, le feu de grâce, le feu de faveur. Nous invoquons ton nom, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus. Merci éternel et Dieu tout-puissant. Pour le feu que ton feu consume, consume la ruse, consume la séduction. Au nom de Jésus, nous te bénissons, éternel Dieu tout-puissant, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux tout-puissants. Merci, grand roi de l'univers, que ton feu, Seigneur, le feu dévora, le feu du Saint-Esprit, éternel Dieu tout-puissant, que ton feu, grand roi de l'univers, que ton feu, Seigneur, consume dans nos cœurs la séduction, la ruse, la malice, la tromperie, Seigneur, les mensonges, que ton feu consume ces choses dans mon cœur, que ton feu consume, éternel, notre Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, dans nos cœurs, Seigneur, le feu dévora, le feu du Saint-Esprit, consume, Seigneur, notre Dieu, dans nos cœurs, la ruse, la malignité, la flatterie, la dissimulation, l'envie, la médisance, que ton feu consume ces choses dans nos cœurs, nos puissants de Jésus, nous te bénissons, éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, tendre Père, que ton feu consume, que ton feu consume. Certains penchants naturels, tendre Père, susceptibles de nous d'ouvrir la porte à Satan le diable. Seigneur notre Dieu, que ton feu consume. Les penchants naturels, susceptibles d'ouvrir la porte à Satan le diable. Que ton feu consume la dissimulation, la ruse, la séduction. Que ton feu consume le mensonge, la flatterie, la tromperie. Que ton feu, Seigneur notre Dieu, consume la dissimulation, la malice. Que ton feu consume l'envie. Que ton feu consume la médisance. Que ton feu consume, éternel notre Dieu là, alléluia, l'hypocrisie, que ton feu consume ces choses dans nos cœurs, nous te bénissons, éternel Dieu tout-puissant, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, maître du ciel et de la terre, éternel notre Dieu, la convoitise, nous te sommes infiniment reconnaissants, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, merci grand roi de l'univers, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, grand roi de l'univers, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci grand roi de l'univers, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te louons, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Délivre-nous, tendre Père, de toute espèce d'injustice, de toute espèce de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie, Seigneur notre Dieu, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, Seigneur notre Dieu, délivre-nous, nos puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te bénissons, nous te glorifions, éternel notre Dieu. Saint-Esprit, merci de consumer ces choses dans nos vies.
Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas maintenant prier pour dire, Seigneur, délivre-moi de toutes sortes de ruses et de séductions. Alléluia. Délivre-moi, Seigneur, de toutes formes de séductions conduisant à la ruse. Délivre-moi de toute forme de séduction. Délivre-moi de toute forme de ruse au nom puissant. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Délivre ma famille, Seigneur, de la séduction, de la ruse. Seigneur, délivre, s'il te plaît. Je vous assure, une jeune fille d'une très bonne famille. À cause de la ruse. La séduction plutôt. Aimant le luxe, l'argent facile. Elle se retrouve dans l'océan en train de faire la débauche. Les parents endormis dans la maison. Elle soit disant qu'elle est allée dormir chez sa cousine. Mais elle va dans les trottoirs faire, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi le terme, la pute. Une bonne famille. Famille respectable. Respectée, bien aimé dans le Seigneur. Les parents aisés. Mais à cause, bien aimé, de la... Oh, c'est Jésus. Non, c'est incroyable. La séduction, séduit par l'argent. On lui propose, tu veux gagner plus, tu vas avoir ça. Mais je vais te montrer. Elle accepte. Et on l'amène au bien dans le Seigneur, faire les trottoirs. Faire le trottoir. Non, bien aimé, nous allons prier, n'est-ce pas? Que Dieu nous délivre. Seigneur, délivre-nous de la ruse, délivre-nous de la séduction. Ne te laisse pas séduire, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Que Dieu te délivre de la séduction. La séduction de l'argent, la séduction du sexe, la séduction de la gloire. Ne te laisse pas séduire. Bien-aimé, tu vas prier, n'est-ce pas? Seigneur, délivre-moi de la séduction, délivre-moi de toute forme de ruse et de séduction. Au nom de délivre mes enfants, Seigneur, délivre ma famille de toute forme de ruse et de séduction. N'oubliez pas, mesdames, le Seigneur. Le temps de la fin, mesdames, Satan, le diable, il est descendu. Regardez bien. Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, dit malheur à la terre et à la mer. Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. La gloire, la notoriété, le luxe, l'argent, la richesse. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec. La sorcellerie a compris. Quelqu'un peut être pauvre. Vous imaginez, quelqu'un est pauvre. Il est pauvre. Mais il dit à quelqu'un, viens, je vais te faire le fétiche pour que tu sois riche. Mais comment toi-même, tu ne peux pas faire le même fétiche pour que tu sois riche? Vous ne voyez pas qu'il y a un souci là-dedans. Mais nous voyons des grandes personnes tomber dans les panneaux. Une maman m'a raconté un jour. Son mari, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Il reçoit des gens chez lui à la maison. Les gens font des abracadabra, il lui sort des dollars. Ils disent, alors, donne-nous l'argent. Il leur donne, je sais pas, 10 000 ou 20 000 dollars. Bien aimé, ces gens, ils ont disparu. Avec le vrai billet. Mais comment est-ce que, bien aimé, c'est un homme très sensé, hein? Un homme intelligent, un homme d'affaires, sensé, intelligent, un universitaire. Comment les gens te demandent, toi, les vrais billets? 10 000? Comme ça, ils vont te sortir 100 000. Mais pourquoi ne peuvent-ils eux-mêmes d'abord sortir les 100 000? Vous partagez. Donc, il faut toujours qu'il y ait l'argent, ton argent, toi. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. C'est ça, bien aimé, la séduction. Vouloir gagner vite. Être séduit par la richesse. Et les gens sont partis. Ils sont partis avec l'argent. Ils sont partis avec l'argent. Alors, quand la femme exprime, pasteur, mon mari, là, c'est incroyable. Oh,
Seigneur, Seigneur, Seigneur. La séduction de l'argent. Nous allons prier, bien-aimé, le Seigneur. Seigneur, délivre-moi de la séduction. Bien-aimé, vis normalement, vis selon tes moyens, vis normal. Sois heureux avec la vie que Dieu te donne. Réjouis-toi avec le peu que tu as. Mieux vaut le peu du juste, bien-aimé, le Seigneur. Avec le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi. Évitons l'amour de l'argent, mais l'amour de richesse. Plusieurs sont tombés. Tu vas prier, bien-aimé, pour le Seigneur, délivre-moi de la séduction des richesses. Délivre-moi de la ruse, de la séduction, sous toutes les formes. La séduction du sexe, la séduction des richesses, la séduction de la gloire. Seigneur, délivre-moi, délivre mes enfants. Mais même nos enfants, prions pour eux, que Dieu nous délivre de toute forme de séduction. Ils se laissent séduire par les gens. Vous voyez, n'est-ce pas, il est quelqu'un d'une bonne famille, il est bien parent, mais séduit, bien aimé, par la mode. Vous le voyez seulement là, une fille qui devient bizarre, elle commence à mettre les cheveux roux, les cheveux bleus, les cheveux chocolat, quoi, et elle a vu ça, la mode. Son père n'est pas comme ça, sa mère n'est pas comme ça, ses tantes ne sont pas comme ça, ses oncles, dans sa famille, il n'y a personne comme ça. La séduction. Séduit. Mais nous allons prier que Dieu délivre nos familles, nos enfants, bien-aimés, de la puissance de la séduction et de la ruse au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons bien-aimés. Prie, n'est-ce pas, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants. Bien-aimés, prie sérieusement. C'est l'esprit du temps de la fin. La ruse et la séduction. Alléluia. Tendre Père, merci. Notre Seigneur, nous te bénissons, grand roi de l'univers. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Seigneur, délivre, c'est notre Dieu, délivre ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Délivre-nous, tendre Père. Délivre-nous de la séduction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint, tendre Père. Nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Délivre-nous, tendre Père. Délivre-nous de la séduction. Délivre-nous de la ruse sous toutes les formes. Au nom puissant de Jésus. La ruse, Seigneur. Délivre-nous de la ruse. Délivre-nous de la ruse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-nous de la ruse. Nous te bénissons, c'est notre Dieu. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Éternel, notre Dieu. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus. Délivre-nous, éternel Dieu tout-puissant. Délivre-nous de la ruse. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons la grandeur de ton Saint-Nom. Maître du ciel et de la terre, nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix. Nous célébrons ta grande tendre paix. Délivre-nous de la séduction, délivre-nous de la séduction, délivre-nous, tendre Père, de la ruse, au nom puissant de Jésus-Christ, la séduction des richesses, la séduction de la gloire, la séduction, tendre Père, du sexe, délivre-nous de toute forme de séduction, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci de nous délivrer de la séduction. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci, grand roi de l'univers, pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, merci Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Merci grand roi de l'univers,
Merci, Seigneur, notre Dieu, de délivrer ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, merci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier encore. Nous allons bien-aimé prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu nous délivre de la séduction. C'est la même tactique que l'ennemi utilise jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Nous allons prier, Seigneur, délivre-nous de l'esprit du monde. Délivre-nous de l'esprit du monde. Délivre-nous de la convoitise de la chair. Délivre-nous de la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qui a fait tomber? La ruse a marché. Pourquoi, bien-aimé? Ève a vu que, n'est-ce pas, le fruit était bon, était agréable à la vue et bon à manger. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair, bon à manger. Et l'ennemi utilise la même tactique jusqu'aujourd'hui. Regardez comment on a tenté Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, dans les déserts. Même tactique. Après avoir, n'est-ce pas, bien-aimé, il a eu faim. C'est naturel pour tout le monde, hein? On sait avoir faim. Mais c'est là que Satan profite. Écoute, tu as faim, n'est-ce pas, non? Ben, chance et pierre, que ces pierres deviennent de pain. C'est là qu'on verra que tu es le Fils de Dieu réellement. Oui, n'est-ce pas? Tenter Jésus, bien-aimé, la convoitise de la chair. Tu vas prier pour lui, Seigneur, délivre-moi de l'esprit du monde. Délivre-moi de l'esprit du monde. Délivre mes enfants, ma famille, mon mari, ma femme. Seigneur, délivre-nous de l'esprit du monde au nom de Jésus-Christ. Et en même temps, tu vas prier, Seigneur, libère-moi de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de l'orgueil, de la vie, bien-aimé. Tu vas prier, bien-aimé, j'ai dit les trois choses. 1 Jean 2, bien-aimé, le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Oh, le monde est sous la puissance du diable. Le monde est sous la puissance du diable. 1 Jean 5, le verset 19. Bien-aimé, que Dieu te délivre de l'esprit du monde. Alléluia, proclamons trois fois, n'est-ce pas, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tant de paix, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Éternel, notre Dieu, délivre-nous de tout esprit du monde. Au nom puissant de Jésus. Délivre mon frère. Délivre ma soeur de l'esprit du monde. Au nom puissant de Jésus. Délivre-nous de la mondanité, tant de paix. Délivre-nous de la mondanité. Délivre-nous de la mondanité. Délivre-moi, tant de paix. De la convoitise des yeux. De la convoitise de la chair. De l'orgueil de la vie. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, viens nous délivrer, viens nous libérer de la convoitise de la chair, de la convoitise des cieux, de l'orgueil de la vie, au nom puissant de Jésus, délivre-nous, Éternel, notre Dieu, délivre-nous, tendre Père, maître du ciel et de la terre, délivre ton peuple, au nom puissant de Jésus, merci Éternel Dieu Tout-Puissant, de délivrer ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, délivre-nous, Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, délivre-nous, nos puissants de Jésus. Tendre Père, merci de nous délivrer, alléluia, de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie, délivre-moi de la mondanité, délivre-moi de tout esprit du monde, au nom puissant de Jésus-Christ, délivre-nous de tout esprit du monde, au nom de Jésus, délivre ton peuple, délivre l'église, tendre Père, nous ne voulons pas être, c'est notre Dieu, les aéroports de la sorcellerie, délivre-nous, nos puissants de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Alléluia. Seigneur, merci pour ta victoire. Bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, dans 1 Timothée 4, le verset 1 jusqu'à à 2, n'est-ce pas? Il est dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les esprits séducteurs. Mais tu vas prier, Seigneur. Tu vas chasser les esprits séducteurs de ta vie. Lève-toi, bien-aimé, contre les esprits séducteurs. Et bien-aimé, prie, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu te préserve des faux prophètes. Vous savez, bien-aimé, le Seigneur, les faux prophètes, ils libèrent des histoires incroyables. Que Dieu te délivre les faux prophètes. Je dis bien que Dieu te délivre des faux prophètes. Dis Seigneur, délivre-moi des faux prophètes. Regardez ce que les faux prophètes libèrent. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes, trois esprits impurs semblables à des graines. Les esprits impurs.
Et les faux prophètes, mais ce sont des séducteurs. Ils libèrent des esprits impurs. Tu écoutes ouais, vos prophètes, les prophètes, il est ceci. Fais attention. Alors tu vas prier pour lui, c'est notre Dieu. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Libère-moi. Tu vas chasser les esprits séducteurs. Que Dieu te libère des esprits séducteurs au nom puissant de Jésus. Que Dieu te délivre, Seigneur, des faux prophètes. Que Dieu te libère. Alléluia. Proclamons trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tant de peine, nous élevons nos voix, maintenant nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur, notre Dieu, nous savons que nous sommes dans les derniers temps à cause de ce que nous voyons, tant de peine. Les esprits séducteurs, les doctrines des démons, Seigneur, délivre-nous, tant de peine. Délivre l'Église. Délivre l'Église. Délivre cette assemblée réunie, tant de peine. Des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. Des doctrines des démons. Délivre-nous des faux prophètes au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Délivre-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Délivre-nous des faux prophètes. Délivre-nous des faux prophètes. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Délivre-nous des faux prophètes. Délivre-nous des faux prophètes. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire de notre Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Préserve nos enfants, préserve nos jeunes, préserve les familles, tendre père, des faux, des esprits séducteurs, prenez nos familles des doctrines des démons. Au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, tendre Père, merci de nous préserver, des fausses doctrines, de nous préserver des doctrines, Seigneur, de nous corrompues, des doctrines suées. Préserve nos vies, préserve nos familles, préserve ton Église. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. S'il te plaît, éternel Dieu, délivre ton Église des esprits séducteurs, des doctrines des démons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ta victoire et pour ta fidélité. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas maintenant briser, tu vas briser les liens. Tu vas briser certains. Il y a certaines séductions qui sont des liens. Il y a un esprit de séduction sur ta vie. Il y a des liens. Tu vas dire, je brise les liens de la séduction. Je brise les liens, n'est-ce pas, de la séduction. Je brise les liens de la ruse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons invoquer trois fois le feu du Saint-Esprit. Tu vas briser les liens de la séduction, les liens de la ruse. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tant de peine, nous élevons nos voix. Nous invoquons le feu dévorant. Que ton feu est notre Dieu. Consume, c'est notre Dieu. Les liens de la séduction. Au nom puissant de Jésus. Par ton feu, c'est notre Dieu. Par le feu du Saint-Esprit. Que le lien de la séduction soit consumé. Au nom puissant de Jésus. Les liens de la séduction. Les liens de la séduction. Les liens de la ruse. Que ces liens soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons le feu éternel, notre Dieu. Le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit pour consumer les liens de la séduction, consumer les liens de la séduction, les liens de la ruse, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Ô éternel notre Dieu, nous proclamons ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Nous brisons les liens de la séduction, nous brisons les liens de la séduction, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Et nous allons maintenant briser la puissance de la sorcellerie qui utilise la séduction. Comme l'esprit de Jézabel, tu vas briser la puissance de la sorcellerie qui utilise la séduction et la ruse. Alléluia. Bien-aimé, tu vas briser la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Qui utilise la séduction et la ruse, n'est-ce pas, contre ta vie et contre ta famille. Nous allons proclamer trois fois, bien-aimé, le Seigneur, le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé, lève ton espoir. Brise, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, renverse l'autel de la séduction, n'est-ce pas? L'autel de la ruse, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia. Et détruis, bien-aimé, la puissance de la sorcellerie qui utilise la séduction et la ruse. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous nous lèvons, c'est notre Dieu. Nous renversons les autels de la ruse, l'autel de la séduction, l'autel de la ruse, c'est notre Dieu, alléluia. Criant contre nos vies, au nom de Jésus, je brise la puissance de la sorcellerie, utilisant la séduction dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma famille. Je brise, tendre Père, je brise la sorcellerie utilisant la séduction. Je brise la puissance de la séduction.
de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne, pour ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, grand roi de l'univers. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Éternel, notre Dieu. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire sur la puissance de la sorcellerie. Utilisant la ruse de la séduction, nous brisons la puissance de la ruse de Dieu à la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons la ruse. Nous brisons la ruse et la séduction de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de l'homme de la croix. Nous brisons la puissance de la sorcellerie, utilisant la convoitise sous toutes les formes. Au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous brisons tout esprit de rébellion et proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Alléluia. Alléluia. Tendre Père, merci de nous libérer de toute forme de rébellion au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le Seigneur, Satan utilise la ruse de la sorcellerie pour entraîner certaines personnes dans la rébellion. Tu vois, maintenant, la rébellion, c'est ça, mais la sorcellerie. Tu vois, prévu, Seigneur, tu délivres mes enfants, de ma famille, de la toute forme de rébellion. Que Dieu me délivre de toute forme de rébellion. C'est ce que nous allons voir prochainement, n'est-ce pas? Mais d'abord, ici, nous prions, mais que Dieu nous délivre de la rébellion. Que Dieu délivre nos enfants de la rébellion. Alléluia. Élève la main, on commence à prier contre tout esprit de rébellion. Tendre Père, nous proclamons ta victoire. Nous nous dressons contre tout esprit de rébellion. Au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne et pour ton autorité. Notre Seigneur et notre Dieu, délivre-nous de tout esprit de rébellion. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons, Éternel, notre Dieu, ton autorité. Éternel, notre Dieu, délivre-nous, tendre Père. Délivre nos enfants. Délivre les jeunes de tout esprit de rébellion. De tout esprit de rébellion. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour la délivrance. Délivre-nous, tendre Père. Délivre-nous de toute forme de rébellion. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ton règne, tendre Père. Pardonne, Seigneur. Pardonne notre rébellion. Pardonne notre rébellion. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Mais tu vas maintenant prier, n'est-ce pas, Seigneur, préserve-moi. Seigneur, préserve-moi, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, s'il te plaît, accorde-moi le discernement. Saint-Esprit, accorde-moi la prudence et le discernement. Saint-Esprit, préserve-moi, s'il te plaît, Saint-Esprit. Préserve-nous, accorde-nous la sagesse, accorde-nous le discernement, accorde-nous la prudence. Saint-Esprit, s'il te plaît, préserve-nous. Comment ça prie le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimé. Demande, n'est-ce pas, bien-aimé, de le Seigneur, alléluia. Que le Saint-Esprit vienne t'aider, vienne à ton secours. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi face à la ruse, face à la séduction, face à la convoitise. Saint-Esprit, viens, nous avons besoin de ton aide. Viens nous soutenir, Saint-Esprit, face à la ruse. Nous avons besoin de ton aide. Saint-Esprit, accorde-nous l'intelligence et la sagesse. Accorde-nous le discernement. Au nom puissant de Jésus-Christ, accorde-nous le discernement. Nous te bénissons, nous te louons vis-à-vis des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, accorde-nous le discernement. Au nom puissant de Jésus, vis-à-vis des séducteurs au milieu de nous. Saint-Esprit, accorde-nous le discernement. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, tendre Père. Que l'honneur, la gloire, la majesté te revienne au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Seigneur, merci. Que ton sang nous couvre, couvre nos familles. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bénis sur le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Que ton sang nous couvre, n'est-ce pas, couvre toute nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. Nous te louons, nous te célébrons. Nous te glorifions, grand roi de l'univers. Merci pour ton sang. Alléluia. Le sang de la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'élèvons, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, nous te magnifions. Toi, le grand roi, merci, Éternel, notre Dieu, pour ta grâce et pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus, nous t'élèvons à la plus haute place. Nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous puissants de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que la gloire te revienne.
Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons élever nos voix, bénédictions. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont malades. N'est-ce pas, prions, n'est-ce pas, bénédictions, pour notre maman Fifi. Prions pour notre sœur Laetitia. Prions, bien-aimés, pour maman Joséphine, maman Albertine. Et prions pour notre sœur Claire. Bien-aimés, que Dieu s'élève dans leur vie. Que Dieu se manifeste dans leur vie. Que Dieu les touche au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Et prions le Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous transportons nos bien-aimés qui sont malades devant ton trône de la grâce. Nous prions, Tendre Père, que tu les visites au nom puissant de Jésus. Nous prions pour une visitation spéciale dans la vie, Tendre Père, de notre sœur Laetitia, que nous recommandons ta grâce. Merci de la toucher dans sa santé, dans son être tout entier, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci de toucher notre sœur Laetitia. Merci, Tendre Père, de te manifester puissamment dans sa vie, au nom de Jésus. Nous prions pour Mama Fifi. Souviens-toi de l'Éternel, notre Dieu, les dieux tout puissants, Maître du ciel et de la terre, l'Éternel Dieu qui guérit. Merci pour la puissance de la guérison dans la vie de Maman Fifi, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci de guérir Maman Fifi dans son être tout entier, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix et merci pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Oh, Tendre Père, merci de toucher Maman Albertine, de toucher Éternel notre sœur Claire, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons bien-aimés prier, n'est-ce pas, pour ceux qui sont éprouvés. Que Dieu se souvienne de maman, de la famille de papa François, maman Françoise et toute la famille, bien-aimés. Que Dieu s'en souvienne, que Dieu continue, n'est-ce pas, bien-aimés, à consoler. Que Dieu console, bien-aimés dans le Seigneur. Le pasteur Paulin Colo, que Dieu console, Tendre Père. Alléluia. Notre sœur Betty, Béa. La veuve de notre frère de feu Patrick Chichimbi, que Dieu bien-aimé console, pasteur Jacques Malela, pasteur Animo Divine, que Dieu continue à consoler. Au nom de Dieu, élevons nos voix et prions bien-aimé pour la consolation. Que Dieu console Papa Nestor. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Les dieux de l'impossible, les dieux des grâces. Éternel, notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci, Éternel, notre Dieu, pour ton amour et pour ta fidélité. Tendre Père, merci de te soigner, Seigneur, notre Dieu, de Papa François et de toute sa famille. Console, Éternel, notre Dieu. Console le pasteur Paulin Colo. Console, bien-aimé, Tendre Père. Console le pasteur Jacques Malela. Pasteur Annie Moadi. Console toutes ces familles éprouvées au nom puissant de Jésus. Console, Éternel, notre Dieu, Papa Nestor. Puissant consolateur, c'est toi. S'il te plaît, Tendre Père, merci pour la puissance de la consolation. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Élevons-nous, bien-aimé. Rendons grâce au Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Merci, Éternel, notre Dieu, pour ce moment de prière. Merci pour toutes nos prières qui sont montées à toi comme un parfum et bon odeur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen. 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 Clamons le Seigneur des gloires, bien-aimés. Vous êtes des véritables champions, championnes. Voilà, aujourd'hui, c'est le vendredi, n'est-ce pas, notre veille. C'est à 2h du matin. Il est 2h09. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Reposez-vous bien. Que Dieu vous fasse du bien. On est ensemble. Nous commençons, bien-aimés, une série d'enseignements sur la sorcellerie. Nous allons prendre petit à petit. Dieu nous conduira. Comme on a parlé sur la femme, on n'a pas tout épuisé. Mais là, on va aller tout doucement, bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous. Vous avez envie, vous sentez? Vous avez envie de jeûner? Jeûnez! Je ne veux pas vous forcer. Non, non, non. Vous le sentez au plus profond de vous. Faites-le. Jeûnez pour votre délivrance. C'est toute une série d'enseignements, ça va vraiment aller. Je vais vraiment parcourir vraiment ces sujets-là. Nous voulons bien aimer que Dieu nous délivre. Soyez bénis. Amen.